TV aujourd'hui, nouvelle vidéo, on parle test, on parle RTX 4090 avec le modèle Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, une carte graphique qui est aussi grosse que toutes les autres 4090 que nous avons déjà vues jusqu'à présent, tellement grosse que si je la faisais tomber sur mon pied, j'aurais probablement le droit à un arrêt de travail. Cette carte graphique par Gigabyte propose bien sûr un système de refroidissement custom avec 3 ventilateurs de 110 mm. En dessous, on a un énorme dissipateur avec 10 caloducs, une chambre à vapeur et on retrouve également une backplate. Au niveau des tech specs, on est sur un GPU AD102. On peut même s'en servir, vous avez vu, pour poser sa main, tellement c'est gros. On est sur un GPU AD102 qui va proposer plus de 70 milliards de transistors. Par rapport à une RTX 3090, on passe de 23 à soit plus de 70 milliards de transistors, c'est colossal. La puce va proposer 16384 CUDA Core, 128 RT Core de 3ème génération, 512 Tensor Core de 4ème génération. On a également 24 Go de GDDR6X, 384 bits, 21 Gbps pour plus d'un giga par seconde de bande passante. Enfin, au niveau des fréquences, 2235 de base, 2535 MHz en boost. Donc on a un léger aussi puisque normalement la carte FE est à 2520 MHz. On vous parle maintenant de la carte en elle-même. Sachez que cette dernière fait 34 cm de longueur. C'est un petit peu moins que la concurrence, 1 cm de moins et parfois 1 cm. Ça peut faire la différence. Au niveau de la largeur, on est sur 7,5 cm. Donc on est à plus de 3 slots et demi. C'est colossal. Le tout tiendra sur 2 équerres. Enfin, au niveau de la hauteur, on est sur 15 cm. Comme on le disait, la carte graphique intègre sur le dessus 3 ventilateurs de 110 mm avec un nano RGB qui est présent à l'intérieur. On a également sur le dessus, ici, un petit logo Gigabyte qui s'éclairera une fois la carte graphique en route, tout comme les anneaux RGB des ventilateurs. En dessous, 1 milliard de tonnes d'ailettes en aluminium, 10 caloducs en cuivre de 6 mm. Les 10 caloducs sont reliés aux ailettes et à la chambre à vapeur qui va évacuer la chaleur du GPU. Ici, on a le connecteur 12VH Power qui alimentera la carte graphique. Si on passe à l'arrière, on retrouve une énorme backplate en aluminium avec ici une large ouverture pour que la chaleur puisse s'expulser. Un petit logo Gigabyte. Enfin, à l'avant ou à l'arrière, à vous de voir, on va retrouver les différentes sorties avec 3 DisplayPort et un HDMI. Sans plus attendre, on passe en mode test. On a testé la carte avec un Core i7-12700K, 32 Go de DDR5, tout sur une carte mère Z690. Alors, si vous voulez tous les résultats de nos benches, vous avez le lien en description, juste en dessous. Alors, attendez. Là, ici, par là, ici. Non, là. Et on va vous parler de quelques jeux, indices de performance, température, consommation. On commence avec Assassin's Creed Valhalla en UHD. En 4K, on est à 119 FPS pour cette carte, pour les FPS moyens. On est à 119 FPS également pour une FE. En même temps, on passe de 2520 à 2535 MHz. Ça ne fait pas une grosse différence sur les performances. Pour le 1% low, on est à 72 FPS sur les deux cartes. Juste à titre indicatif, une 3090 Ti, ça sera 79 FPS de moyenne. On passe tout de suite à un peu plus violent avec Cyberpunk 2077. 80 FPS de moyenne pour cette carte, 80 FPS pour une 4090 FE. Pour le 1% low, on sera à 53 pour les deux cartes, donc 4090 custom par Gigabyte et 4090 FE. Pour une 390 Ti, on sera à 54 FPS de moyenne, le 1% low sera à 36. On passe au ray tracing. Au ray tracing, 43 FPS de moyenne pour cette carte. On sera à 33 pour le 1% low. On trouve les mêmes valeurs pour la 4090 classique. Pour la 390 Ti, on sera à 25 FPS de moyenne pour 17 en 1% low. On continue avec l'indice de performance. L'indice de performance, vous le savez, vous le connaissez. On est sur les mêmes performances entre une 4090 FE et cette 4090 custom. Hein, on l'a déjà dit, les fréquences GPU sont assez proches l'une de l'autre. Donc, on sera à 181
en indice de performance pour cette carte, pour 100 d'indice de performance pour une RTX 3080 et 124 pour une RTX 3090. Si on passe en mode RT, la différence va être plus importante puisque plus on va demander à cette carte, plus elle va être capable de proposer. Il faut savoir que si vous jouez en 1080p, 1444p, la carte elle tourne à 70% de ses capacités. C'est vraiment fait uniquement pour du 4K. On le répète à chaque fois, c'est une carte haut de gamme pour jouer en ultra 4K avec des ultra détails, du ultra RTX. Donc, pour l'indice de performance en RT, on est à 206 pour la carte, 100 pour la 3080, donc on fait plus que doubler. Enfin, la 3090 Ti est, elle, à 133. On continue avec consommation, température, parce que ça, c'est toujours intéressant. Cette 4090 Gaming OC par Gigabyte sera à 17 watts au repos, c'est un peu moins que le FE. On sera à 430 watts en charge, c'est très très bon. On est juste 10% plus haut que la FE. Enfin, au niveau des températures, cette carte Gigabyte avec son système de refroidissement, vous l'avez vu, qui est colossal. Clairement, on peut le dire, elle fait des miracles en refroidissement. On est à 40 degrés au repos, donc ça c'est un peu moins bon que la FE qui est à 30 degrés. Par contre en charge on prend que 20 degrés, c'est-à-dire qu'on passe de 40 à 60 degrés. Donc la carte est 14 degrés plus fraîche qu'une FE. Donc ça c'est une excellente nouvelle, ça veut dire que le refroidissement est ultra performant. Et en plus les ventilateurs sont à 900 RPM maximum, ce qui veut dire qu'on aura une carte qui est relativement silencieuse, puisque des ventilateurs de 110 mm qui sont à cette vitesse là, ça s'entend, mais c'est pas non plus trois grosses turbines de la mort qui tuent. Alors cette carte graphique par Gigabyte, elle a vraiment un énorme système de refroidissement, il est vraiment colossal et c'est presque un des plus gros qu'on a vu sur toutes les 4090. Il y a des tonnes d'électrodes d'aluminium, il y a des tonnes de caloduc, il y a la chambre à vapeur, il y a des très gros ventilateurs. Le RGB est plutôt discret, la carte est elle aussi plutôt discrète, bien que un tout petit peu plastique sur le carénage ici. Par contre, au niveau du tarif, c'est un des modèles qui est presque les plus accessibles, puisqu'on est à 2149 € pour un modèle OC. Ce qui veut dire qu'on est sur un tarif, alors on peut pas dire raisonnable, hein, impossible de dire raisonnable, tarif raisonnable avec une 4090. Par contre, on est sur une offre qui est intéressante par rapport à la concurrence ou par rapport à certaines cartes qui sont vraiment basiques et entrée de gamme. Bref, on va décerner un cocotte d'or à cette 4090 Gaming OC par Gigabyte de par son système de refroidissement qui est ultra efficace et très silencieux. Sur ce, rendez-vous très prochainement sur cocotteland.com. Toutes nos news, tous nos articles à propos du matériel informatique et rendez-vous également sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.